Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies de la semaine. Alors, on va regarder quelle sera la tendance de la semaine ici. La nouveauté, c'est ce qu'on vous dit. Alors, je la mets là. Tendance de la semaine, des nouvelles choses qui vont arriver. Alors, on va regarder tout de suite pour lundi. Énergie pour lundi. Déjà eu les trois premières cartes. Pour lundi, il y a du nettoyage qui doit être fait. On vous parle aussi peut-être de conflits familiales. Conflit familial ici en lien avec quelque chose que vous attendez. Ça peut être... Alors, je veux faire quand même une petite coupe pour regarder. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est... vous avez dans l'espoir ici en fait que quelque chose puisse changer, ça prend énormément de temps ici et c'est comme si en fait dans la tendance qu'on me donne à voir, vous n'aviez plus vraiment cette envie de vous plier, vous voyez, à un certain raisonnement, à certaines contraintes, c'est beaucoup ça qui ressort. Ouais, y a des discussions qui sont faites. Avec vous-même, ou c'est qu'on vous demande de prendre le temps et de regarder, hein. Oui, de prendre le temps aussi d'analyser peut-être la personne ici qui pose peut-être souci, hein. En tout cas, c'est d'ordre familial, donc ça peut être un frère. Prenez vraiment comme ça vous parle ici sur lundi. Alors, petit conflit pour mardi, énergie pour mardi. Trois cartes, de nouveau des discussions. Ah ben, j'ai envie de vous dire, le conflit continue. On vous demande vraiment ici de vous nettoyer aussi intérieurement. On vous dit aussi qu'il y aura des discussions conflictuelles sur une certaine stabilité, sur un enracinement, sur des volontés que vous avez. Je vais refaire une petite coupe pour pouvoir vous en dire plus. Mais on en revient quand même à lundi ici, hein. On me montre exactement les mêmes cartes. Je vous montre quand même juste la coupe. J'ai de nouveau ces cartes-ci qui nous dit justement qu'il y a quand même une personne ici qui essaie d'avoir une bonne posture, quelqu'un qui donnerait envie qu'on puisse s'appuyer sur lui. Et vous, votre tendance n'est pas la même. Vous, votre tendance n'est pas la même. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des manques de connaissances ici. Des manques de connaissances. Pour d'autres, si ce n'est pas dans le lien ici familial, on va vous parler de nouveau de conflits peut-être en lien avec la santé. D'accord? Pour certaines personnes, ce sera ça. Il y aura des discussions pour peut-être éventuellement trouver une solution en lien peut-être avec l'état de santé. Ça peut être aussi un enracinement, hein. Donc, en lien avec un déménagement pour certains ou certaines d'entre vous. On va regarder l'issue. On vous dit que de toute façon, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui va se faire, qui est quand même réfléchi, hein. J'ai envie de vous dire, hein, parce que vous savez très bien, si ce n'est pas de votre côté, ce sera de l'autre côté. Mais les choses se passeront bien, j'ai envie de vous dire. Parce que ce sera une bonne opportunité pour vous. C'est quelque chose quand même qui demande de la réflexion. Continue de regarder vite ce qu'on me donne à voir. C'est de la réflexion. Alors, je vais quand même vous montrer les cartes. Donc, ici, ce que je disais, de la réflexion, parce que ça prend du temps. C'est quelque chose, si c'est au niveau d'une opération ici, ça peut quand même engendrer une certaine mobilité. Dans le sens, c'est que vous ne serez peut-être pas apte à pouvoir faire tout, tout de suite. Donc, il peut y avoir quelque chose de l'ordre chirurgical juste là derrière ici, hein. Ouais, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Après, c'est vraiment aller en profondeur de la chose pour pouvoir mieux la traiter. Donc, voilà ce qu'on vous dit pour mardi. Alors, pour mercredi, on va essayer d'aller plus dans le positif. C'est ce que j'espère, du moins.
Alors, pour mercredi, les énergies. Il y a eu beaucoup de cartes qui ont sauté. Ben, on va les prendre. Alors, je ne connais pas le sens, vu qu'il y en a quand même pas mal. Rapproche un petit peu ça. Alors, on va vous parler d'une stabilité gelée. Ici, une stabilité donc que vous n'avez pas. On vous demande de prendre le temps de la réflexion. Ici, il va y avoir comme une sorte de mutation qui va se faire pour vous. C'est comme si on vous disait, on va essayer de vous initier, tout simplement. On va vous initier, en fait, pour pouvoir atteindre ce que vous vous attendez. Parce que pour le moment, c'est plutôt des obstacles et c'est des choses un peu cachées qui vous aident pas forcément à prendre votre vrai rôle, prendre votre vraie place ici. C'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. On va faire une petite coupe. Justement, restez aux aguets, il y a un mouvement qui se prépare ici. Un mouvement qui se prépare pour pouvoir laisser passer justement une certaine fluidité. Des choses qui vont vous revenir en retour. Hein. C'est comme si vous allez à la pêche et vous revenez, mais vous n'êtes pas bredouille. C'est vraiment ça qu'on me montre. Mais les discussions, alors c'est possible qu'il y ait des discussions qui suivent après cette énergie-là, donc pour mercredi. Les discussions seront de nature conflictuelle et c'est une perte d'énergie. C'est une perte d'énergie, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit écoutez vos ressentis, soyez fidèles à vous-même. Pour pouvoir trouver enfin la solution la mieux adaptée pour vous. Il y a quand même du positif malgré tout, c'est que vous trouvez quand même la clé. Alors, pour mercredi. Mercredi. On va peut-être vous parler ici d'un déplacement pour mercredi. Déplacement en lien avec la santé. Quelque chose quand même assez rapidement. Pour jeudi, alors on va essayer. Alors je vais battre encore une fois les cartes pour voir s'il y a autre chose qui vient. Ici, la nature de ce déplacement, ça peut être ici en lien avec un homme et une femme. Hein. Ça peut être dans le cercle familial, je ne sais pas. En tout cas, c'est des personnes auxquelles vous tenez. Vous avez certains espoirs. Peut-être que vous allez amener quelqu'un quelque part. L'une de ces deux personnes. Ça peut être un couple, hein, ici. Hein, ça peut être un couple. Ouais. Vous allez les amener quelque part. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ou bien vous, vous allez vous rendre quelque part. Et c'est. Ça peut être aussi. Peut-être éventuellement dans la famille. Ou peut-être une visite de la famille qui vient. Peut-être. Alors, je vous donne un exemple tout bête. Parce qu'il y a énormément de choses ici qui sont en train de me. On est en train de me faire passer, ça peut être une tante et son oncle, la tante vient vous voir, ou bien votre papa, votre maman, c'est votre maman qui vient vous voir, peut-être pour vous apporter certaines nouvelles en lien avec la santé, ou bien ce sera vous que vous allez faire, si vous voulez, un déplacement en lien avec la santé, peut-être un rendez-vous chez le dentiste, je ne sais pas, mais il y aura une autre visite ici de ces deux personnes. Voilà, essayez de d'adapter selon ce que vous vivez. Hein. Pour vendredi. Alors. Là, ça fait beaucoup de cartes. Je ne vais pas les prendre, celle-là. Vendredi, on va vous parler de connaissances. Connaissances fructueuses, hein, c'est ce qu'on dit. Connaissances fructueuses. Il peut y avoir aussi la notion de l'argent qui vous vient. Quelqu'un vous apporte peut-être quelque chose que vous ne saviez pas. Ça peut être une petite somme d'argent qui vous revient. Sinon, ça va pas parler comme ça pour tout le monde. Alors, on rebat encore un petit peu les cartes pour avoir quelque chose en plus. Petite coupe. Ça peut être en lien ici avec quelque chose que vous avez l'intention de construire. Hein. Vous avez envie d'aller vers de nouveaux extérieurs. C'est vraiment ce qu'on voit. Ouais. C'est ce qu'on voit ici. Ici, ça peut être un homme. Peut-être que vous avez dans votre cœur ou bien qui en a fait partie, qui va essayer de venir vers vous. Hein. Vous voyez, on retrouve encore une fois de plus le couple qu'on voyait déjà de lundi ici. On vous dit que c'est une situation momentanément gelée. On vous dit néanmoins, c'est de rester fidèle à vos convictions.
et de laisser les choses se passer, d'accord? De pas agir contre, laisser les choses justement se développer jusqu'à leur terme et ne pas forcer le destin ici. Laisser les choses se passer. Je vous le dis parce que c'est important de le savoir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies de la semaine. On va quand même vite jeter un petit coup d'œil sur la tendance du week-end. Donc celle-ci, je peux la reprendre. La tendance du week-end ici, on vous parle aussi d'un mouvement rapide de quelqu'un qui revient vers vous. Quelqu'un qui revient vers vous, peut-être quelqu'un qui aura des projets, ici des projets, mais des projets de toute façon qui n'aboutiront peut-être pas forcément, hein. Parce qu'avec la carte des souris, c'est quand même quelque chose qui pèse et alors ce ne sera pas pour tout le monde la même chose, hein. Mais il y a une notion ici que quelque chose ne va pas se passer comme ça devrait ici. On vous dit d'écouter vos ressentis, d'écouter votre cœur. C'est très très important. Étant donné aussi la tendance des énergies actuelles, c'est pas tout simple. Parce que dans ce que je vois pour le week-end, c'est plutôt dans le style, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et je vois que c'est pas forcément quelque chose qui est sain pour la plupart. Ça va pas toucher tout le monde ce que je suis en train de dire actuellement, hein. Si c'est en lien que vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de dire, alors ça vous touche. On me dit que c'est quelque chose qui doit prendre fin. On me parle de corbeaux ici. Si vous voyez des corbeaux plusieurs fois à répétition, ça peut vous concerner. Mais écoutez bien les propos, d'accord? C'est une personne en tout cas qui n'est pas forcément saine. C'est une personne qui n'est pas forcément saine ici, hein, qui a peut-être envie de trouver une solution, de faire un compromis ici. Peut-être pour l'été, mais néanmoins, on vous dit de rester quand même sur vos gardes ici. De toute façon, il y a un perpétuel mouvement qui est en train de se faire et les énergies, justement, favorisent plus ou moins la tendance positive, j'ai envie de vous dire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies de la semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo et pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter pour avoir une guidance personnalisée. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo pour me contacter par mail. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine.